aller. Moi, ça va très bien malgré que j'ai repris le travail, mais je suis à nouveau en vacances dans 2 semaines, donc ça c'est bien. C'est peut-être pour ça aussi que je me suis mis à danser, parce que j'ai pensé à ma nouvelle destination de vacances, et je sais pas, ça m'a mis en joie, comme vous avez pu le constater. Bref, du n'importe quoi, comme d'habitude. En tout cas, on se retrouve pour une vidéo particulière, puisque déjà je pense qu'elle va être assez courte, et c'est surtout une vidéo papotage, puisque je vais vous parler d'une autre de mes passions. Donc, une de mes autres passions, autre que la beauté ou la littérature, c'est l'écriture, voilà. Depuis que j'ai la passion de la lecture, depuis que je lis, il faut savoir que j'ai aimé lire très tard par contre, à partir de la 6e, et au moment où en fait j'ai lu Harry Potter. Voilà, c'est Harry Potter qui m'a donné goût et qui m'a donné envie de lire, comme beaucoup de gens. Donc ça, je remercierai jamais J.K. Rowling pour ça, parce que grâce à elle, eh bien, j'ai découvert un univers mais fabuleux, qui est sans limite. Et du coup, ça m'a attirée vers l'écriture. Parce que je pense que quand on est fortement passionné par la lecture et la littérature, forcément, on dévie vers l'écriture, puisqu'on a envie de créer, je pense, notre propre univers, de laisser notre propre trace, de... Oui, je pense de créer aussi... de créer, tout simplement. Je pense que quand on est passionné, on a envie de créer. Donc voilà. Donc, cette autre passion, c'est l'écriture. J'écris donc depuis l'âge de 12 ans. Mais, donc j'ai écrit plusieurs histoires, j'ai écrit plusieurs romans. Alors je vous rassure, pour le moment j'en ai fini aucun. Mais j'aimerais bien, parce qu'effectivement j'aimerais énormément être publiée. Ça serait un rêve et un aboutissement pour moi. Et en fait je fais cette vidéo puisque, comme vous avez pu le constater, récemment je vous ai mis un de mes romans sur Wattpad. Il est donc on va en parler juste après, mais voilà, il est en ligne depuis 2 semaines, il me semble. Vous avez le prologue et le premier chapitre, et on va parler de ce roman-là. Donc, ce roman que j'ai mis en ligne il y a récemment, là, c'est Il n'a jamais été. Donc, voici la couverture que j'ai créée. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si la couverture et le titre vous plaisent, si ça pourrait vous attirer, si vous le voyez en rayon ou même sur Wattpad, si ça vous plaît. Donc ce roman, je l'ai écrit il y a environ, quoi, j'ai commencé à l'écrire il y a environ 2 ans, 2 ans et demi. C'est le plus récent de tous, mais c'est celui qui me tient le plus à cœur, puisque j'ai commencé à l'écrire à une période de ma vie qui était un peu difficile pour moi, puisque c'était après une rupture, et où en fait mon écriture a évolué. Donc c'est pour ça que mes autres romans que j'avais écrits, je les ai un peu abandonnés, parce que c'était un autre style d'écriture qui était plus jeune, plus innocent, alors que là, ça, voilà, mon écriture a mûri, et donc c'est une écriture un peu plus... j'ai toujours une écriture un peu, voilà, très imagée, très douce, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais voilà, assez imagée, voilà, assez féerique, on va dire. Voilà, j'ai une écriture assez oui, je pourrais pas vous expliquer mieux, douce, mais avec cette période de ma vie, elle s'est légèrement durcie, et donc elle est un peu plus mature, et donc du coup ça me va mieux pour ce que j'avais envie de transmettre. Et du coup, de quoi parle ce roman? Et bien, tout simplement, je fais une revisite des contes de fées, puisque vous savez que j'adore ça, j'adore les contes de fées, j'adore Walt Disney, j'adore cet univers féerique, j'adore ça, voilà, les sortilèges, les princesses, les histoires d'amour qui durent pour l'éternité, etc. J'aime énormément, et du coup, je me suis lancée dans la revisite de nos personnages préférés d'enfance. Et pourquoi ? L'idée est venue après que j'ai lu ceci. J'ai lu Poison, Charme et Beauté de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Et quand j'ai eu fini de lire cette trilogie, eh bien j'étais estomaquée, puisque c'était la première fois que vraiment une revisite de contes de fées me plaisait autant, que je trouvais que c'était... On gardait les bases et la matière première des contes d'origine. On avait ce qu'on attendait, mais avec quelque chose de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus sombre... et de beaucoup plus, oui, de beaucoup plus actuel, et vraiment de beaucoup plus nouveau, voilà. Et ça a marché complètement, donc j'étais complètement bluffée,
Et je me suis dit, eh bien, pourquoi pas moi? Pourquoi moi qui adore cet univers, pourquoi moi aussi je n'essaierai pas de le maîtriser et d'en faire quelque chose de nouveau aussi, ou de proposer une nouvelle vision des choses à travers mon regard à moi. Donc du coup, je me suis lancée là-dedans et ça donne quelque chose qui me plaît plutôt bien. Donc c'est pour ça que j'ai osé le mettre sur Wattpad. Et j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Donc dans mon roman, vous allez retrouver plusieurs personnages de contes de fées. Je mélange en fait les contes de fées d'origine avec déjà la revisite de Walt Disney. Donc déjà je mélange ces deux univers là, les origines et la version de Walt Disney, plus ma version à moi. Donc voilà, vous verrez si ça vous plaît ou pas. Et donc vous verrez plusieurs personnages, mais dans des rôles où on ne les attend pas forcément, où ce sont des rôles qu'on leur a jamais donnés, entre guillemets. En tout cas, voilà, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. N'hésitez pas à, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai si je peux. Parce que si vous me demandez la fin ou des choses comme ça, ben forcément que non, je vous ne dirai pas. Quoi vous dire de plus? Le lien, je vous le mets en barre d'infos et vous l'avez aussi dans la bannière, dans les petits onglets avec Facebook, Instagram, etc. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, je sais que c'est peut-être un peu court, mais j'ai pas envie de vous en dire plus. Je préfère que vous lisiez et que vous me dites de vous-même ce que vous en pensez. Alors n'hésitez pas, si vous n'aimez pas, à le dire. Alors sachez qu'il y a toujours une façon de dire les choses, hein, pas de la méchanceté pure et gratuite, mais j'accepte complètement les critiques, donc n'hésitez pas. Et moi en attendant, je vous fais plein de gros gros bisous et je vous souhaite plein de fins heureuses.